Et il fait un froid de canard. Salut tout le monde. Ça fait un petit moment que j'y pense et là j'ai de plus en plus envie de reprendre mes vidéos. Du coup j'ai décidé ce matin de tout simplement reprendre. En plus aujourd'hui je vais refaire mes cheveux, je vais chez le coiffeur. Elle va me refaire mon blond parce que franchement c'est pas une catastrophe. Mais elle m'avait déjà coiffé sur du blond parce qu'avant j'étais plutôt brune. Et j'ai voulu toucher ensuite à ma manière et je n'aurais pas dû. Du coup en fait il y a quelques défauts, c'est pas très joli. Et du coup elle va me faire un truc super beau qui change, qui pète, où il y a de la lumière et tout, tout comme j'aime. Et j'ai plutôt hâte. Je me suis dit du coup que ça sera la nickel pour recommencer mes vidéos, sachant que mes vidéos c'est une de mes passions, j'adore ma chaîne YouTube et c'est dommage, je l'ai arrêtée du jour au lendemain comme ça. Du coup voilà, et vu que je ne savais pas quoi faire pour une première vidéo de reprise, je me suis dit déjà que j'allais filmer ma matinée et voilà. Du coup faites pas attention, j'ai pas de maquillage, ici c'est pas des crottes d'œil, hein. C'est juste que je fais de l'eczéma. Et surtout sur un œil. Et du coup, c'est pas très joli. Encore plus quand je me maquille pas. Mais... Donc ce matin, vu qu'on n'a qu'une voiture sur deux en ce moment avec mon chéri, je suis allée le poser à la gare. Et moi, je suis revenue parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Je ne travaille que demain. Et après, je suis en vacances. Je suis trop contente. La période de Noël, je pense que c'est ma préférée. Même si elle est très fatigante, que tout le monde est malade, que tout le monde a un temps très bizarre. Et franchement le froid, l'ambiance, le marché de Noël et tout, j'adore. Donc je suis quand même trop contente. Et là je rentre à la maison. Je vais déjà me boire un café parce que à peine levée du lit, j'ai mis... vous voyez comment je suis habillée, c'est horrible. J'ai juste enfilé de quoi mettre pour pouvoir poser mon chéri à la gare. Et là maintenant je vais boire mon premier café. Ah non mais aujourd'hui il fait vraiment trop froid, il fait combien? Ah bah oui, presque moins 2. Tu peux savoir ce que tu veux, toi? T'as à manger là-bas. Best moment. Franchement, c'est un de mes moments préférés, je crois. Après dormir. Non, j'avoue, il y a aussi celui-là, le moment que j'adore. Lui, il est câlin que quand tu veux un truc. Du coup, ouais, je suis bien motivée à reprendre mes vidéos, surtout que je suis quelqu'un qui commande quand même assez régulièrement. On me dit souvent, ouais, arrête d'acheter. Et c'est compliqué. Surtout que j'aime bien les nouveautés, j'ai beaucoup de passion, j'adore la mode, j'adore aussi les photos, les vidéos, enfin... J'ai plein de passion. J'ai ma chambre disponible justement pour faire des vidéos, des photos, etc. Du coup, je pense qu'il faut que j'essaye de l'emmener... pas parler bon matin. Faut que j'essaye de l'aménager et puis après je pourrai reprendre mes vidéos super. D'ailleurs je vais vous la montrer. Elle ressemble à ça. Bon là il y a mon petit coin coiffeuse, etc. Bon c'est le bordel, j'ai pas encore bien rangé. J'ai juste fait un tout petit peu de ménage, mais sinon voilà ce que ça donne. Je kiffe trop. Faudra juste que je range tout ce qui traîne. Là j'ai fait un peu de résine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-là il est pas fini parce que je vais remettre une deuxième couleur pour finir. Mais celui-là il est déjà prêt. Il est juste pas encore sec. Sinon, je vais mettre le mode grand angle. Sinon voilà ce que ça donne. Donc je pense qu'en fait je vais mettre mon drap blanc derrière. Peut-être décorer mon drap blanc, je sais pas. Et puis quand je ferai des vidéos comme ça, j'aurai un fond blanc, ça sera bien lumineux, ça sera cool. Oui, on fait pas non plus gaffe à ma barre de pole dance. J'adore ce sport, du coup j'en pratique de temps en temps. J'ai aussi mon chéri qui va me donner son bureau parce qu'il va en faire un. Du coup, je pensais mettre un autre bureau là, ça va faire un gros bureau d'angle en mode coiffeuse et tout. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Du coup voilà, j'ai hâte d'emménager tout ça. Ce sera plutôt sympa. Oh, j'allais oublier, mais j'ai mon calendrier de l'Avent à ouvrir. Alors, à l'heure où je parle, on est le 18. J'ai pris le calendrier de l'Avent Kiko.
D'ailleurs, il faut savoir que c'est mon tout premier calendrier de l'Avent hors chocolat, parce que j'ai toujours eu que du chocolat. Et là, c'est moi-même qui me le suis offert. Autant vous dire que j'ai cherché longtemps, je voulais pas mettre trop cher, surtout pour un premier, et quelque chose qui valait quand même assez le coup. Vu que j'adore le maquillage, déjà c'était sûr, c'était à base de maquillage, et rien que ça, c'est possible. Et je trouvais que le Kiko était quand même super beau, une ambiance super Noël, et ils sont pas vraiment radins au niveau des cadeaux. Donc voilà, donc là nous sommes le jour 18, je vais ouvrir le 18. Qu'est-ce que c'est? Oh, un pinceau! Mais en plus il est trop mignon! Oh non, il est trop chou, j'adore. Je suis trop contente. J'ai enlevé mon écharpe. Pour vous dire, là, par exemple, rien que ce pinceau, il coûte 14,99€. Donc, 15 balles. Waouh, mais au soleil, ça me fait une peau super bizarre. C'est sûr que je viens de me réveiller. Désolée, hein. Ultra naturel comme chaîne. En fait, j'ai regardé un peu les prix, etc. Et pour voir si, bah, vu que c'était mon premier, en fait, j'ai trop peur de me faire avoir. Du coup, j'ai regardé le prix à peu près de chaque produit. Et j'en suis à environ 105... Bah là, maintenant, avec le pinceau, j'en suis au moins à 120 balles. 120€. On est le jour 18 et je l'ai payé 99€. Je vous laisse un peu... Moi, je trouve personnellement que ça vaut grave le coup. Ouais, je vais m'enlever du soleil. Ça m'éclate les yeux, en fait. Donc là, ça va être 9h. Il faut que je me prépare, que je m'habille, que je me maquille. Je vais laisser mes cheveux comme ça, hein, parce que vu que je vais chez le coiffeur, je ne vais pas les toucher. Je me prépare bien sûr avec vous. Et puis j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 10h45, 11h. Et voilà. Par contre, je pense pas que je vais filmer chez le coiffeur, hein, parce que autant j'adore faire des vidéos, etc. Mais je déteste me filmer quand des gens me voient. Encore plus dans un petit endroit comme chez un coiffeur. Sauf si bien sûr, il y a une bonne entente avec... les coiffeurs, mais bah là la coiffeuse je m'entends super bien avec elle, mais c'est pas son salon, c'est un salon que tout le monde connaît, mais elle coiffe super bien, je l'adore, elle est super sympa, elle va d'ailleurs peut-être ouvrir un jour son salon, donc à ce moment là peut-être que j'oserai plus faire des vidéos chez le coiffeur, parce que je compte bien la suivre. En plus elle m'a montré des photos de ce qu'elle allait me faire. Autant vous dire que, bah, déjà je vais raquer, c'est sûr, ça va être très cher, mais par contre ça va être tellement beau. J'ai trop hâte de voir ma tête. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Hein? Bah ouais, tu fais ta petite chaîne YouTube? Allez, vas-y, miaule. Allez. Ouais, dis-nous tout. Il me reste encore 15 minutes avant de partir, donc j'en profite pour mettre du parfum, mon manteau, etc. Et puis je pars. Je suis bientôt à Tartare, c'est pas grave. En plus j'ai changé de robe, j'ai craqué mon collant, c'est pour ça qu'en plus je me fous en retard. Donc là je pars. Voilà, nous y sommes, je stresse trop. Là, je lui cache, mais je vous jure, vous êtes vraiment pas prêts. Ce qu'elle a fait, c'est une dingue. Enfin, c'est super beau. Attention. Tadam. C'est genre magnifique. Elle m'a retravaillé la racine et tout. C'est vraiment, mais elle est super forte. Oh, elle m'a coupé les pointes aussi parce qu'ils étaient dans un sale état.
mais je suis trop fan. Je vous en montre plus à la maison parce qu'en plus là je suis encore dans la voiture et c'est un peu chiant. Les cheveux un petit peu électriques, mais comme vous pouvez le voir, comment c'est super beau. Oh, franchement, je m'attendais pas aussi beau en fait. Je suis trop contente. Non, franchement, elle a géré. En plus, ma mère, elle a stressé, elle avait peur de me faire de la merde, mais en fait, surtout pour camoufler mes défauts. Mais je, franchement, c'est trop beau. Par contre, ouais, il y avait bien besoin de couper. C'était vachement fragilisé avec le temps et les décos. Mais ça va, c'est pas non plus court. Hein. Je garde quand même un peu ma longueur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu pour une reprise. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir refilmer mes petits moments pour un petit vlog et tout. Parce que j'adore faire des vlogs, j'adore faire des tutos, j'aime bien faire des unboxings, j'aime bien faire des tests. Enfin, j'adore filmer tout et n'importe quoi. Et commencer par un petit vlog comme ça avec une nouvelle coupe, franchement, c'est parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle couleur. En soi, elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est juste que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fondu, beaucoup plus naturel. Enfin, vraiment, franchement, j'adore. Et nous, on s'est dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Say what you wanna say to me now.